Après le sacre du mondial, après la joie de la victoire et des célébrations inoubliables, on peut dire que la France a su honorer ses joueurs de foot, ces bleus de Didier Deschamps qui ont réalisé le rêve de leur vie et sont désormais en vacances. Hier soir, le président Emmanuel Macron a reçu toute la joyeuse bande à l'Élysée. Pose photo, improvisée. Tout comme la Marseillaise ou l'hymne de 98. Dans les jardins du palais, 3000 invités les attendaient, de nombreux jeunes venus des clubs d'origine des bleus. Mais avant cela, il y a eu l'attente des Français sur les Champs-Élysées pour voir descendre le bus à Impérial à 2 étoiles. Une descente qui n'aura duré qu'un quart d'heure, tout au plus, au trop, mais qui a ravi les centaines de milliers de Français venus applaudir leur héros. Seul bémol de cette journée, des milliers de supporters attendaient les Bleus à l'hôtel Le Crillon dans la soirée, mais le rendez-vous a été annulé, provoquant déception et colère.